Hey les gars, je suis à Dubaï en fait et je kiffe ma life. Piscine, salle de sport, yacht, plage, resto, tout, tout, tout. Pendant que vous en France, vous faites rien. Je kiffe ma life. Voilà la vue que j'ai de ma chambre. Alors j'espère que ça fera taire les Pour haters. les haters qui me critiquent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jalouses en fait. Sachez qu'avant, je faisais un travail comme tout le monde. Je travaillais à la verticale avec une barre entre les cuisses. Non, non, c'est pas ce que vous croyez, ouais. Je faisais du pole dance, quoi. Et c'est très fatigant, croyez-moi. Et maintenant, j'ai trouvé, en fait, je ne travaille plus qu'à l'horizontale. Et je suis moins fatiguée, en fait. Oui, à l'horizontale. Non, mais je vous entends encore me critiquer, comme d'habitude, hein. Non, je suis prof d'abdo-fessier. C'est pour ça que je suis toujours à l'horizontale. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça marche très bien, hein. Je vais vous montrer comment je Voilà pour suis. les haters, le résultat du travail à l'horizontale, abdo-fessier, ce qui m'a amené à Dubaï, bien Toujours sûr. pour les haters des réseaux sociaux qui disent sans arrêt que je ne suis plus en couple avec Dylan. Ce n'est pas vrai. Ce n'est que du fake. Parce que de toute façon, je sors toujours avec des garçons qui ont le même prénom, Dylan. Comme ça, je me trompe jamais de garçon, en fait. Alors j'en ai marre qu'on me prête des relations que je n'ai pas. Je ne sors qu'avec des gars qui s'appellent Par contre, Dylan. Pour tous ceux qui me suivent, mes petits chouchous, je leur fais vraiment des gros gros cœurs comme ça. Ouais, vous manquez vachement si vous savez. Voilà, alors continuez à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, YouTube, je me trompe. Et puis Twitter, Tumblr, voilà. Je vous embrasse et je vous fais des gros gros cœurs. Ciao, ciao, mes c'est bon, chouchous. Dylan, tu peux ouvrir la porte de la chambre. Ouais. Ils ont tout cru ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux. De toute façon, ils croivent tout ce qu'on leur dit. Ils s'imaginent même pas que c'est du fake.